Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, podologie, semelle et sport. Alors je suis avec Yves Lescure. Vous êtes podologue, vous êtes pédicure podologue et vous êtes aussi enseignant à l'Institut national de podologie. Quand on fait du sport, on sollicite anormalement euh, son pied et donc là, ça, crée, ça peut créer des problèmes. Il faut Compl les anticiper. Complètement. Alors, on peut soit les anticiper. La, la plupart de, du temps, on les anticipe pas, on les vit et après on essaie de trouver une solution. Le sport, il engendre, on va dire, une surutilisation de certaines structures. Alors surtout quand on commence un sport trop violemment ou euh, justement trop rapidement et trop intensément, les structures ne sont pas, les structures du pied notamment, ne sont pas habituées à subir ce type de tension et de micro traumatisme et donc à un moment donné vont réagir à ça et s'inflammer, provoquant euh, des tendinopathies ou tendinites, des problèmes articulaires éventuels, etc. C'est le fruit finalement d'un certain type de pied, associé à un certain type d'activité, et notamment la réalisation de gestes impliquant justement euh, ces contraintes. Euh, que faut-il faire dans ces cas-là Il faut déjà en général ralentir son activité sportive, pas forcément l'arrêter complètement, ça dépend des situations, mais ralentir son activité sportive et essayer de comprendre le, finalement euh, la mécanique défectueuse qui aboutit à cette pathologie. Et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où un, un pédicure-podologue, le plus souvent spécialisé dans le sport, va faire un examen qui va consister à observer le mouvement de la personne, le mouvement du pied associé au mouvement du membre inférieur dans les réalisations de son sport et de voir s'il y a des déviations. Ça peut être un pied sur l'intérieur qu'on appelle pied en pronation, sur l'extérieur pied en supination, ou l'ensemble du membre inférieur peut avoir cette différence. C'est tous les sports où il y a vraiment des sports particuliers. La course à pied est un vrai révélateur des problèmes parce qu'on répète systématiquement le même geste et si il suffit qu'il y ait une petite déviation dans un sens ou dans l'autre, elle va être à un moment donné devenir pathologique. Okay Mais d'autres sports très traumatisants peuvent l'être également. Voilà, vous faites du sport, vous avez mal aux pieds, n'attendez pas, allez voir votre pédicure podologue. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.